Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Euro Truck 2 pour, comme promis, hein, le dernier épisode du tuto qui est la gestion du dépôt. Alors, hein, comme vous voyez, c'est pas la même partie. Hein, sur la partie, j'avais un man à la fin. Le problème, c'est vu comment j'avance, j'essaye d'avancer un maximum quand j'ai le temps. D'avancer un maximum de machiner. Donc voilà. Donc j'ai dit pour finir au plus vite, pour pas faire trop vous attendre, je sais qu'elle a été promise un moment, cette vidéo, du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur une autre save que j'ai téléchargée sur TS2.lt. Vous en trouvez si vous avez. C'est marqué no DLC ou DLC. Là je suis pris avec DLC. Donc vous voyez une petite nouveauté avant qu'on commence. Désolé si vous entendez du bruit extérieur. Vous voyez qu'on a le range T. Oui, enfin il est sorti depuis 2 ans qu'on nous l'attend, qu'on nous le promette. Il est sorti il y a quelques semaines. Voilà. Donc j'ai dit je vais prendre un petit range T là comme ça. Parce que sur la partie j'ai aucun camion. J'ai aucun chauffeur. Du coup j'ai acheté un camion. Donc voili voilou. Mais c'est pas ce sujet-là, d'accord, c'est la gestion des dépôts. Et on a un nouveau système d'achat de gestion de dépôt. Donc voilà, de toute façon, le jeu évolue petit à petit avec les mises à jour, etc., etc., avec les DLC qui arrivent. Là, il y a un DLC russe qui va arriver, de Russie. Donc, plein de choses vont arriver d'ici peu. Donc, la gestion du dépôt... Comme vous voyez, comme vous avez peut-être vu, peut-être la gestion du dépôt, c'est un dépôt où vous stockez vos camions, où vous êtes dans une place. Après, dans une place avec le camion ou sans le camion, c'est comme vous voulez. Et vous gérez vos dépôts comme vous voulez. D'accord? Ça, je vous le dis, c'est à vous. Si je donne des conseils dans cette vidéo, vous en faites part si vous voulez. Si vous n'êtes pas part, c'est pas grave. La gestion des dépôts, comme vous avez vu sur, je pense, tout au début de la partie, oui. Il faut savoir un truc, la partie je l'ai toujours, hein, mais pour faire au plus vite, j'ai préféré ça. Donc pour la... c'était la petite parenthèse. Comme au début, on avait le premier dépôt, donc le dépôt qui était en tôle ou machin, un truc comme ça, qui était à une place. Voilà. Pour l'agrandir, il fallait 180 000 euros. Donc, quand vous l'agrandissez, vous gagnez 2 places de plus, donc 180 000 euros. Et si vous l'agrandissez de 2 places de plus, vous avez une station essence, donc ça coûtera 100 000 euros. D'accord. Et le dépôt va changer. Va changer quand vous agrandissez. Donc, ça sera plus un truc en tôle. Ça va être un truc en béton, un truc comme ça. Mais après, il s'agrandit, vous inquiétez pas. De toute façon, un dépôt contient 5 places maximum. D'accord. Après, ça vous de gérer comme vous voulez. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y avait, parce qu'on a un nouveau système d'achat, comme je vous ai dit, il y a le système, l'ancien système, quand on devait acheter un dépôt, quand on était dans la ville. Où on était et qu'on voulait acheter un dépôt, on allait vers le point vers le dépôt qu'on voyait et on payait 180 000 euros. Et pour l'agrandir, il fallait payer 100 000 euros. Donc en gros, il faut dépenser 280 000 euros par garage, d'accord, pour agrandir si vous êtes de base. Si vous voulez acheter et l'agrandir, c'est pareil. Donc voilà. Maintenant, il y a un nouveau système, je vais vous montrer, qui est achat de garage. C'est une nouveauté qui est arrivée récemment. Il y a encore une nouveauté aussi sur la gestion des chauffeurs, mais ça je vais pas vous en parler parce que ça va être la fin de cette vidéo, ça va être la dernière épisode. Ici, alors on ne voit pas, c'est la carte. Vous avez tous les dépôts et je peux pas cliquer. Mais en gros, là, ce qui est vert, c'est à nous, d'accord. Si on veut acheter un dépôt, on clique et ça nous propose un truc. Je vais vous le montrer.
Je vais supprimer un dépôt. Ta, 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 ta. Dans gestion de dépôt. Voilà. On peut le vendre. Donc, je vais le vendre. Allez, on va vendre ce qu'il y a. Donc je peux le vendre. Hein. Je le vends 280 000 euros. D'accord. Donc je vous montre. Hein. Quand vous achetez un dépôt, c'est le même prix. Hein. Je prends celui de Calais. Voilà. Il me propose. Donc il me propose taille petit. Il me dit emplacement 3 places. Donc ça c'est quand vous l'achetez. Sinon vous avez déjà une place si c'est votre c'est votre premier dépôt. Bah, quand vous commencez votre partie, vous avez une place. Et après vous, quand vous cliquez sur agrandir, ça vous met 2 places de plus et après 2 places de plus. Voilà. Donc 180 000 euros. D'accord. Prix du catalogue, bon, ils mettent. Et après, taille grand, 5 emplacements, donc 5 places, voilà, machin. Et vous cliquez sur acheter. Voilà. Acheter 180 000 euros. Si vous revendez le dépôt, c'est le même prix. Hein. Vous avez récupéré les 280 000 euros. Donc là, on a payé 280 000 euros. Si vous le revendez, ça fera 280 000 euros. Donc voilà. Excusez-moi et désolé pour les bruits d'extérieur si jamais il y en a. La gestion des dépôts. Ce qui est bien, je vais vous montrer. Donc là, vous avez tous vos dépôts. Tous vos dépôts qui vous concernent. D'accord. Moi je sais pas où je suis, mais pourri. Je sais pas où je suis, dans quel dépôt je suis. Mais comme vous avez vu, par exemple, je vais prendre le dépôt de Coca-Cola. Je peux sélectionner le dépôt que je veux dans mes listes des garages. Donc c'est marqué garage, mais c'est dépôt aussi. Comme je vous ai dit, vous avez le compte. Donc on a montré ce qu'était le compte. Hein. Vous avez les revenus, les dépenses. Ce qui est en rouge, c'est toutes les dépenses. En revenu, c'est tout ce qui est vert. Donc là, il n'y a rien d'autre. Et vous avez le profil, profil 7 jours et profil journalier. En moyenne, d'accord. Donc voilà, je vais pas vous dire quelque chose. Donc là, vous avez vos dépôts, vous avez tout. Là, vous pouvez savoir plein d'informations, savoir les véhicules qui sont là, les chauffeurs qui sont là. Et après, il suffit juste de cliquer. Et après, vous avez le chauffeur et le camion. Donc là, il n'y a aucun, mais voilà. Vous pouvez voyager de dépôt en dépôt. Ça, c'est si vous êtes en multi, vous faites des convois. Donc de dépôt par exemple là je sais plus quel dépôt mais si je veux aller à Kovola pour un rassemblement de convoi je vais à Kovola, d'accord. Si j'ai envie de vendre mon dépôt, je vends mon dépôt, d'accord. Là vous avez les statistiques un petit peu du dépôt, je dirais entreprise mais c'est plutôt du dépôt. Statistiques sur 7 derniers jours, donc revenu, profil moyen, productivité actuelle 0 à 300. Donc normalement on a une petite information. En attente d'un garage de cette envergure et entièrement équipé, que ce soit rentable tout au long de la semaine. Cette barre vous indique comment se porte votre garage. Ça c'est cool. Voilà, après ça vous gérez. Donc voilà. Ce qui est bien c'est que si j'achète un véhicule, alors je peux l'acheter en ligne. Ou l'acheter, ou aller directement dans le concessionnaire et l'acheter. Je peux choisir quel dépôt je veux. Donc par exemple, j'achète un véhicule, bim, hop, je veux que mon véhicule soit là, je mets ici. Si je veux un chauffeur, je mets ici. Alors comme j'ai dit, hein, les chauffeurs, il faut avoir un véhicule. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter d'abord le véhicule. Et après, vous pouvez mettre la personne, d'accord. Et après, faire comme je vous ai dit, si vous voulez pas trop qu'il vous coûte d'argent au tout début. Donc voilà. Aussi, comme on a eu aussi l'achat des remorques, vous pouvez stocker autant que vous voulez de remorques sur le dépôt que vous voulez. Donc voilà, ça veut dire que les chauffeurs ils peuvent choisir la remorque. Ça dépend, si c'est que des bâchés, si vous mettez 5 camions et vous mettez 5 bâchés derrière, enfin 5 bâchés dans le dépôt, ils vont prendre que des bâchés. Clairement. Après ça dépend, il y en a, ils prennent pas de remorque que l'entreprise a acheté. Ils préfèrent prendre les remorques d'autres, mais le mieux c'est de les faire, comment dire,
les muter et les remuter sur le même emplacement où ils sont dans le même garage et en prenant leur remorque. Voilà. Donc il y a ça qui est bien. Donc vous avez toutes les informations pour la gestion des dépôts. Si vous voulez le vendre, c'est 180 000 euros. Enfin. Si jamais vous vendez et que vous avez vos véhicules, vos bonhommes, ben, vos chauffeurs, vous, vos remorques, il va vous mettre un message pour vous dire où vous voulez placer vos remorques, vos camions, à quel endroit. Je vais vous faire l'expérience. On va acheter un véhicule. On va acheter un véhicule. Donc sur une partie de cheatée, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est là. Vendeur de camion. À mon avis, est-ce que je. Après, on va prendre DAF. Allez, on va prendre DAF. Et voilà. Est-ce que je peux acheter en ligne? Oui. Bah, on va prendre. Voilà. Donc, on va prendre. Superpace. Je vais acheter celui-là. Hop. On prend l'exemple. Alors, je vais le placer ici. Voilà. Et je peux choisir l'emplacement que je veux. Si vous avez un emplacement prédéfini pour chaque véhicule et pour chaque chauffeur, vous pouvez. Voilà. Désolé un petit peu si ils sont un peu trop forts. Voilà. Je fais pareil. Ah non, je vais pas faire configurer. Donc voilà. Je vais faire acheter pareil, admettons là je vais acheter, j'achète de DAF, d'accord? Je vais vous montrer, hein, il vous mettra un affichage. Après je sais plus comment c'est passé parce que ça a tellement changé votre truc maintenant que je vous dis peut-être des bêtises. Alors on fait ça. Il y a aussi, il y avait une nouveauté. C'est aussi qu'on a eu le DLC DAF Tuning. On l'a déjà, hein, mais on a eu Mercedes Tuning. Donc j'ai pas encore testé. Je l'ai le DLC, vous inquiétez pas. Donc voilà. Je fais des petites parenthèses. Hein, excusez-moi, mais voilà. Voilà. Donc je prends un carré. Donc là, vous avez toutes les informations. Ici. Là où je vous montre en flèche. Donc vous avez le nombre de camions. Vous avez tout. Donc la ville. Après, vous pouvez trier comme vous voulez. Hein. Là, c'est trié par ordre alphabétique. Là, vous avez la taille. Vous avez le camion. Bah, le nombre de camions. Le nombre de chauffeurs. Le nombre de remorques. Parce qu'on a les remorques. Nombre de. Alors, ce qui est bien, c'est comme le nombre de remorques. Vous pouvez mettre autant de remorques que vous voulez. Hein. Si vous faites un dépôt où il y a plein de remorques que vous prenez, d'accord. Après, vous avez le profit journalier et la productivité en pourcentage. Si, admettons, bah là, je peux pas vendre. Ah, ça a changé. Oui, ça a changé le truc. Avant on pouvait vendre, mais pour que je puisse vendre, à mon avis, il faudrait que je vende mes véhicules. Donc c'est simple, DAF, vous vendez, voilà. Vous vendez le véhicule et hop, vendre. Voilà, hop, vendre. Pas grave si je perds de l'argent, mais ça fait rien. Et si je reviens dans, si je reviens dans le truc, dans les listes des garages. Hop, là je peux le vendre. Parce qu'avant, quand vous cliquez sur vendre, ça me mettait un message où vous voulez placer vos chauffeurs, vos camions et vos remorques. À mon avis, vos remorques qu'il n'y avait pas avant. Donc, vous ne pouvez pas acheter avant, je crois, les remorques avant. Oui, je dis deux fois avant, désolé. Hein. Et donc, du coup, on choisissait un autre dépôt. Bon. Donc, voilà. Donc, vous savez tout. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous téléporter d'un véhicule à l'autre. Ça veut dire que vous voulez plus conduire, par exemple, j'ai le racheté, je veux plus conduire le racheté, je veux conduire le DAF. Je conduis le DAF. Donc vous faites conduire. Et ce qui est bien, c'est que vous, avec la gestion du dépôt, c'est que vous pouvez transférer vos chauffeurs d'un dépôt à l'autre. Pareil pour les remorques, d'un dépôt à l'autre. Pareil les véhicules d'un dépôt à l'autre. Voilà. Et ce qui est bien, c'est quand vous faites conduire un véhicule, je crois qu'il part de. Ben, qui échange de, il échange de dépôt, ça veut dire que par exemple, admettons j'ai un DAF, dans mon dépôt, moi je conduis et je prends donc le racheté. Si je fais conduire, à mon avis ça me fait amener
Ça fait amener mon camion, bah le racheter à mon dépôt où je suis. Et le DAF, lui, il prend la place du racheté. Il prend juste la place, c'est tout. Il échange leur place, c'est tout. Je crois qu'il y a ça. Mais je sais plus, mais testez, vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que la gestion du dépôt, vous pouvez faire ça, vendre. Voilà. Vous téléporter, d'accord. Vous pouvez vous téléporter au véhicule, votre véhicule pour un convoi. Vous pouvez vous téléporter de vous-même de dépôt à dépôt pour faire deux trois trucs. Par exemple, admettons là, il suffit. Alors moi, ce que je fais chauffeur. Il n'y a que moi. Alors testing, hein, c'est la partie, vous inquiétez pas. Je me fais muter. Bim. Muter. Et si je veux, je me mute. À Calais. Enfin, je vous prends l'exemple de Calais, mais c'est pareil. Et je choisis mon emplacement. Donc quand vous avez un véhicule, bah, vous savez où il est. Donc là, j'ai un autre véhicule derrière parce que c'est le véhicule qui était choisi dans la partie au début. Et si je veux récupérer mon véhicule, je vais vous faire le test avec vous. Si je prends mon racheté. Je fais conduire. T'as un petit peu lagué. J'espère que le son va être bon. Ouais, je suis à Saint-Pétersbourg. Après, vous avez tous les renseignements sur chaque véhicule, comme je vous ai dit. Ça, c'est à voir. Donc là, il me fait téléporter. Il m'emmène où? On va voir. Mais la gestion du dépôt, c'est super bien quand vous gérez vos chauffeurs, etc. D'ailleurs, si vous voulez plus de dépôt et que vous voulez, excusez-moi, vous voulez changer de dépôt, vous achetez d'abord votre dépôt et après vous transférez vos véhicules du dépôt où vous voulez plus à l'autre véhicule. Bah, à l'autre dépôt, voilà. On va voir. Ça fait amener où? Alors, on teste, hein, Mais comme ça fait un petit moment que je le fais pas, moi j'achète des véhicules, je mets mes chauffeurs et puis basta, ils roulent. Voilà. Et ben ça me fait amener à Calais. Voilà. Donc ça téléporte le véhicule à Calais. Désolé si. Voilà. Donc voilà le petit racheté. Donc ça c'est le grand dépôt. Grand dépôt ici. G2, G3. Voilà. Donc voilà, vous avez la station essence. Et ce qui est bien, c'est si vous jouez roleplay, si l'essence vous coûte trop cher. Vous pouvez carrément aller au dépôt si vous en avez un dépôt. Donc voilà pour la gestion du dépôt. Si j'ai oublié des trucs, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà. Voilà. Donc la gestion du dépôt, c'est simple, hein. Tu vois, ça a téléporté mon camion. Bah, ça a téléporté mon camion à Calais. Voilà. Et si je regarde dans la liste des garages, dans la liste de bah, la gestion de camion. Le racheter et vient à Calais et au garage à Calais. Voilà, donc voilà. Donc, emplacement garage disponible 800. Ah, oui, c'est total. Ouais, 5 ouais. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez après retrouver votre camion, vous faites pareil. Vous faites conduire votre camion en votre DAF. Et le racheté va se remettre à sa place qui était avant. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, cette partie va supprimer. L'autre site de tuto. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il y a un truc que je n'ai pas parlé, peut-être que dans une prochaine vidéo, je dirai. Mais voilà. Donc maintenant, on va se laisser pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou si j'ai oublié des trucs, dites-le-moi en commentaire. Pour la prochaine fois, bah, ça sera peut-être PC Building. Bon, cette vidéo, je vous la fais vendredi, hein, vendredi après manger, hein, après que je mange. Mais elle sortira comme d'habitude le mercredi ou le jeudi vers 16h comme d'habitude. Il n'y a pas de topo. Voilà. Donc, bah, si vous n'êtes pas abonné,
abonnez-vous, d'accord, likez, dislikez, d'accord, commentez si vous voulez, si vous avez des questions, d'accord, même si vous n'avez pas des questions, vous pouvez commenter aussi, mais quelque chose de constructif, n'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description, dont Facebook, etc., ma page Facebook. Comme ça, vous êtes tous au courant maintenant que j'ai repris un petit peu le rythme avec Facebook, parce que j'avais laissé tomber Facebook, ma page Facebook, sur mes deux chaînes, bah, qui relie mes deux chaînes comme mon site. Donc du coup maintenant, maintenant j'ai repris le rythme, je sais comment maintenant je sais comment je fais maintenant. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça fait très très plaisir. Hein, comme voilà. Bah, la prochaine fois ce sera peut-être PC Building. Et là j'ai envie de faire un peu plus de vidéos détente que des vidéos farming. Pour ce qui est de partir de zéro, ça va attendre un tout petit peu. Oui, ça va attendre un tout petit peu parce que je vais faire ma carrière perso. Donc ma carrière perso à moi, je vais déplacer mes véhicules sur une nouvelle map. Mais il faut que je teste la map. Elle est super bien. Mais il y en avait une autre map que j'étais bien aussi. Mais j'attends plutôt les modifs qu'il doit faire le gars, donc on verra bien. Donc je vous dis un petit peu ma vie, mais voilà. Donc la prochaine fois, ce sera bah, peut-être PC Building ou du farming, parce que tout est avancé. Voilà. Puis je pense que j'ai tout dit. Bon, moi je vais vous laisser pour cette vidéo, et moi je vous dis bye bye.